Ouagadougou également. C'était la fête à la place de la Nation, une parade militaire et civile et des décorations ont constitué l'essentiel de la célébration. Retour sur les temps forts avec Estelle Judith Assogba. La place de la Nation a été prise d'assaut ce 11 décembre par une foule sortie nombreuse pour célébrer en communion le 53e anniversaire de l'accession de notre chère patrie à la souveraineté nationale. Occasion de rendre un vibrant hommage à nos dévanciers qui se sont battus pour faire du Burkina Faso une nation libre. L'acte 1 de cette célébration a été la revue des troupes. C'est le gouverneur de la région du centre, avec à ses côtés le commandant de la 3e région militaire, qui a procédé à ce cérémonial. Puis s'en est suivi son message à l'adresse de la population de sa circonscription administrative. Georges-Marie Compaoré a dans son discours souligné la pertinence du thème choisi, civisme et cohésion sociale, fondamentaux d'un développement durable. Tous les peuples aspirent au développement, le nôtre encore plus. Lui qui vit constamment les rigueurs du climat et qui dépend chaque année de ses aléas pour nourrir les hommes et les femmes. Nous sommes persuadés que ce développement dépend encore plus de la cohésion de ses filles et de ses fils. Pour cela, le civisme apparaît être le sentiment de la nation pour unir les filles et les fils du pays autour d'un projet commun qui invite les citoyens à l'action, au dévouement, au patriotisme par un engagement concret à servir son pays. Cette commémoration est aussi un moment pour la nation burkinabé de traduire toute sa reconnaissance et sa gratitude aux hommes et aux femmes qui se sont distingués par leur ardeur au travail. Ils sont au nombre de 81 à avoir reçu ce matin cette congratulation. 2 de l'ordre national, 16 de l'ordre de mérite burkinabé, 17 de l'ordre de mérite de développement rural, 18 de l'ordre des palmes académiques et 28 médailles d'honneur des collectivités locales. Une distinction qui est aujourd'hui une fierté pour les récipiendaires et une invite à mieux faire. Ce que je suis en train de vivre actuellement là est une très grande joie pour moi. Je dédie cette médaille d'abord à ma hiérarchie, celle-là qui a pensé que je la méritais, au travers donc du travail que j'ai abattu tout le temps que j'ai été donc à leur côté, tout le temps que j'ai été donc à leur sollicitation. Donc je dis merci donc à cette hiérarchie. Je la dédie également à ma famille, mon épouse et à mes enfants. Je suis très contente ce matin pour cette reconnaissance qui m'a été faite en ce jour mémorable. Vraiment, je remercie les autorités qui ont reconnu ce mérite. Et je dédie cela aussi à tout l'arrondissement, à tous les collègues avec qui nous avons travaillé en collaboration. C'est un sentiment d'interpellation parce qu'étant jeune, j'ai beaucoup un parcours devant moi et cela m'interpelle à donner le meilleur de moi-même pour toujours mériter la confiance qui m'est placée. Le clou de cette célébration a été la parade civile et militaire. À travers des pas cadencés et bien rythmés, les défilants ont séduit l'admiration de la population. 5 heures,